Na conférence pour la presse, parmi eux, Haïti Pape Ouven, qui gagne comme porte-parole, pasteur Demeus Jean Renel, tenant micro pour la presse, pour capable sensibiliser secteur évangélique là, pour eux-mêmes, pour eux lancer eux dans la bataille que Haïti a mené, journée aujourd'hui, et fait eux connaître que secteur évangélique là, lui-même tout, lui impliqué dans ça qu'a fait là, changement Haïti a, c'est pas un changement, un groupe de monde, mais c'est tout Haïtien conséquent, qui pour mettre mais une façon pour eux capable libérer Béré Haïti dans ça qu'elle trouvé le journée aujourd'hui. Steven Benoit, c'est un nan moun qui t'a trouvé dans conférence ça, divers points t'es touché dans et conférence ça disons parmi eux yo t'es parlé yon constat que yo même yo fait sous situation pays a depuis 10 ans que régime PHTK a gouverné pays a depuis 10 ans régime PHTK lui-même li nan tête pouvoir fait Haïti fait plus bac depuis 10 ans Haïti lui-même qui connaît yon mauvais moment pays a cap passé yon agonie en bas régime PHTK ça. Yo font parler de ensemble décret que président Jovenel Moïse même li mette depuis l'aile sous pouvoir. Ce sont des décrets journée aujourd'hui qui plongent Haïti dans yon chaos et fait connait tout. Yo gen pou fè yon marche, yon façon pour capable célébrer 34e anniversaire constitution mars 87 là, marche ça qui gen pou fè 28 ak 29 mois si là, c'est divers points ça yo que militants ça yo même yo té touché nan micro pour la presse. Avant même que nous laisser visualiser comment ça téyé, comment conférence l'antéyé, n'a prend quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même qui a regardé vidéo ça et qui déjà abonné avec channel là ou même qui toujours a partagé, qui déjà pral quitter un commentaire et qui déjà pral like vidéo ça ou même qui a regardé vidéo ça et qui poukou abonné avec channel là, n'a invité ou abonné avec channel là comme ça pour nous capable agrandir communauté GNGA. On regarde vidéo là et puis après n'a tourné pour plus commentaires. Nous n'a staff ni con plaisir. Tout côté gagne deux ou trois moun qui réunit pour dire non à dictature, qui pour dire Jovenel mandat fini depuis 7 février 2021, place ou pas là encore. Nous même dans staff Nico Plaisir, nous là pour nous encourager et pour nous fouler béton ensemble avec vous. Moi même étant donné que chrétien protestant, pasteur, nous avons demandé avec toute l'église pour yo fonti gade, pour yo faire yon effort en plus parce que yo pas capable rete comme observateur, yo pas capable rete pour yo ap gade sa population a fait pour ne pas prendre responsabilité. C'est ça qui fait que nous-mêmes, staff Nico Plaisir, qui prend micro matin dans la conférence, nous avons pour devoir pour sensibiliser tout le monde en général, toute population en général, pour ne pas prendre responsabilité. Parce que c'est trop à tort. Bagaille là, dur. Il faut que nous ne pas arrêter à garder. Eh bien, 28-29, bataille là, li lancé encore souterrain. Pasteur yo, apprendre, éduquer fidèle yo. Suspend dit, oh nous c'est chrétiens, nous pas dans politique. Suspend dit, oh affaire politique pas affaire chrétien. Yo manque cohérence, les ont dit ça. Yo connaît c'est pas la vérité que yo parle. Et ça fait qu'on a parlé avec tout chrétien qui a dit, qui a critiqué les chrétiens, prend la rue pour revendiquer les droits. Staff Nico Plaisir a parlé avec eux directement parce que nous avons des alliés, pasteurs qui sont avec nous. Et nous conseillons, nous demandons, dimanche si Dieu veut, normalement, c'est pour eux mettre peuple là de yo pour al revendiquer droit yo normalement yo fin perdu tout acquis démocratique yo c'est pour yo dégager yo pour yo wè si yo ka sauver
ti res ki rete a, ti kras ki rete a, malgré le pa anyen, li pa an pil anko. Men fok nou wè dan kel mezu nou kapab sove ti kras ki rete a, ti kras dignité ki rete a pou nou sove l. E ben nou mande a tout population, jen gason kòm jen fòm, kèl ke swa nan kat pre peyi a. Nou mande pou yo pran la ria, pou yo investi la ria, pou yo kapab mande Jovenel, dégage bay talon, place li pa la ankò, place li kon ki kote liye, li kon ki kote liye, men la fè retisans, men gòn lè pa ka fè retisans ankò, pèp la mande l pou le dégage l, pou le tire la révérans. Merci beaucoup, c'est pasteur Demery Jean-Renel, et porte-parole Haïti pas pour vendre. Staff Nico Plaisir. À Gokenchen conférence ça qui en tête nationale pour une transition pour faire à bail. Objectif conférence là aujourd'hui, c'est un pour nous capable faire un constat de situation pays là que pendant 10 ans PHTK crasé institution de pays là. Deux, pour nous parler de ensemble de décrets malachon tête en bas que Jovenel Moïse, président de facto, a pris un pays pour le fouer dans tout petit fond toujours. Et troisième gros raison, c'est Gwoko Kenchen manifestation 28-29 qui a venu là, qui va le faire, dans l'occasion 34e anniversaire de la Constitution, mars 87 là. Sans nous pas perdre du temps, je vais passer au sénateur Stephen Benoît qui va nous rapidement, dans deux minutes, un panorama de situation. Elle est capable de montrer des décrets qui ont affecté la population haïtienne. Et en deuxième lieu, on va passer nos camarades La Rochelle qui lui-même va parler nous de l'implication en tant que clan dans la Gwoko Kenchen manifestation 28-29 mars qui a venu là. Sénateur Steven. Merci d'être ici là. Nous, en tête nationale pour transition coupé fâché, transition de rupture en français, nous remercions la presse qui répond présent à l'invitation. Jean-Marc Desilob Dili, nous avons trois points, mais je vais couvrir le deuxième point, qui c'est dénoncer quelques décrets et arrêtés illégaux et inconstitutionnels que l'ancien président criminel Jovenel Moïse a pris dans le pays depuis janvier 2020, depuis qu'il est illégalement libéré au Parlement aller pour le arrêter seul maître à bord. Premier bagage Jovenel fait, libéré au Parlement aller et commencer à vider des décrets. Constitution qui est en vigueur, bien que pour moi, sont foliés. Depuis 2011, m'a dénoncé ça, nous, les constitutions sont faux, parce que c'est M. Martelly à quelques sénateurs et quelques députés corrompus, t'es concocté. Pour contre, après que parlementaires ont fini de voter en Assemblée nationale le 7, 8, 9 mai 2001, un amendement à la constitution pays. Donc, moi-même, j'ai dénoncé, 10 ans plus tard, m'a dénoncé. Jovenel Moïse a plus loin lui-même, il mettait le côté net. Je veux dire, nous sommes à la Constitution, nous sommes à son roi lié, mais roi, toujours en forme, toujours en gens liés. Jovenel Moïse par une forme, Jovenel Moïse par respecter rien, donc Jovenel Moïse est un roi, Jovenel Moïse son chef gang, lié, je veux dire, il a opéré un gang, et ça pour lui, toutes les qui sont en lieu, lui mettait en fédération, lui font fédération des gangs G9 et alliés et famille, qui semé la deuil dans toute la pointe pays et plus particulièrement dans la zone métropolitaine, côté ces des milliers de monde qui kidnappaient, qui violaient, qui décapitalisaient nos balançons et qui, plus précisément, hier, bon jeune entrepreneur, ils ont kidnappé à madame, ils ont lagué madame Nalder Ranson, ils ont violé madame plusieurs fois, ils ont tué l'entrepreneur là. Plus récemment, même hier encore, on voit entrepreneur sur le Canada qui a investi tant d'énergie promis dans le pays, ils ont assassiné. Même hier encore, un grand policier encore tombé. Ça fait 11 ou jusqu'à 12, parce que nous avons compté Luc Doré. Donc, on a dit qu'il y a 12 policiers, je veux dire, qui mourent. Non, mais sous compte Jovenel Moïse, c'est lui qui fédérait gang. L'autre bagaille, il prend encore l'autre mesure, il mettait Annie. Il mettait CEP pour faire référendum, nous tendez, pour faire élection pour PHTK, Jean-Jacques qui l'a fondé de dire, pour faire 50 ans au pouvoir. Dernière, bon, comme nous parlons depuis le temps, dernière, loi d'urgence. Que Parlement a voté en deuxième fois en 2010, il a voté en 2008 à l'unanimité. En 2010, le Conseil consacré CRH, il a voté, pas voté, mais il a voté.
Et je dis à Jovenel Moïse, pour loi, parlement de voter presque à l'unanimité. Je dis à Poulikab, fait salver à l'Est pays, à l'étire ce propre qui est dans la Banque Centrale, à ministère des Finances. Nous avons déclaré état d'urgence sur tout morceau de territoire pays. Alors que loi état d'urgence secret, vous déclarez état d'urgence, le gagné désastre naturel. Je veux dire, pas pour des volcans, des tremblements de terre, des cyclones, des glissements de terrain, des inondations, dans quel côté de pays. Jovenel Moïse, je veux dire, qui connaît que le poids aller dans les semaines ou les jours ou peut-être au mois, nous sommes pressés pour faire au maximum de preuves sur le peuple là. Millions qui sont insérés dans plusieurs pays au passé. Je veux dire, avant d'aller, il faut le prendre ça. Tirez le petit peu de la baisse. Pas oublier, l'ordre état d'urgence, ou pas besoin de CNMP pour faire appel d'offres, ou pas besoin de passer pour la Cour des comptes. Je veux prendre Moïse qui a monté une compagnie 100 000 ou une compagnie. Parle à madame Mi pour qu'on a acheté, à dépenser dans nos peuples haïtiens sans contrôle. Et nous parlons dans un mois, l'état d'urgence fini, pour avoir des millions et des millions de dollars américains qui dépensent dans le cas d'urgence, alors que par exemple, d'urgence. Donc c'est une énième violation de loi en vigueur pays, de constitution pays. Et pour toutes raisons, ça, crime, kidnapping et vol sous transfert haïtien à vous voyez, haïtien l'autre bord de l'eau à vous voyez pour famille ici, ça sont crimes financiers et tout. Suite à tout crime ça, nous-mêmes, je dis à nous chita pour nous dénoncer et à travers sa société civile, la fait gros marche, méga marche, la fait 28 et 29 là, nous là pour nous supporter. Et nous avons passé, camarade La Rochelle, la parole pour lui bailler plus de détails sur 28 et 29 mars. Merci.